Trois-Luc. Donc de Miralès et Louise. Donc c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble, ils ont fait pour adultes, vraiment adultes, Muraka aux éditions de Greenpeace, vraiment dernièrement. Et l'album, alors en fait on va suivre un petit orphelin, donc un petit tour scolaire orphelin, donc Trois-Luc, qui va être pris sous l'aide du Skimo, qui est un vieil ours très courageux, mais qui est tellement réduit physiquement qu'il a besoin d'un petit jeune pour chasser, pour pouvoir manger et survivre. Donc ils vont s'entraider comme ça tous les deux pendant un temps, jusqu'au moment où Eskimo va être attrapé par des humains, et du coup Waluk, qui a été rejeté par tous les autres ours, va devoir aller les voir, leur expliquer qu'il a besoin d'eux, il a besoin d'aide pour pouvoir sauver Eskimo, qui est voilà, un ours au courage légendaire, donc on ne peut pas le laisser comme ça aux mains des humains. Donc c'est un superbe ouvrage, c'est un conte initiatique, c'est plein de valeurs, c'est l'amitié, c'est l'entraide, il ne faut pas se laisser tomber, on a toujours besoin les uns des autres. Et tout au long de l'album, on a plein de petites informations sur la vie au pôle Nord, sur voilà, comment se comportent les scientifiques vis-à-vis des animaux, ce qui a entraîné le réchauffement de la planète, les animaux ont de plus en plus de mal à se nourrir. Donc pour tout ce qui est pour les écoles, ça peut être très bien, enfin, à conseiller, ça peut être intéressant.